J'ai fini ma journée. Je vais même passer où je n'ai pas l'habitude de passer. J'ai fini ma journée, non. Je rentre chez moi. Mais je passe où je n'ai pas l'habitude de passer. Juste pour insulter cette sale chienne. Karim Omimbang. Bordel. Suceuse de bite d'un que ça. Va te traiter ton fuck up. Karim au bordel. Tu as trouvé le blanc. C'est ta part de blanc là-bas. Regarde le pays des blancs. Les vrais blancs. Pas la Turquie. Ici, c'est le pays des vrais blancs. Salope. Agou traiteur ou on a. Agou traiteur, il faut que partagez-moi la vidéo là. Dis donc. Elle est qui? Karim, tu es qui? Tu es qui? Tu n'es qu'une sale chienne. Tu n'es qu'une sale chienne. Qui a faim? Qui veut exister? Au Cameroun, on existe avec la matière grise dans la tête. Tu as compris? Avec tes faux produits là. Tes faux produits que tu vends là. Tu as pris Samy. On va te montrer que nous sommes Samy. Nous sommes les mamans de Samy. Pardon, fiche-moi le camp. Tu me connais où? Quoi? C'est pas de ma faute si tu as un demton. Si tu as un demton, ben, hein? Regarde-moi celui-ci. Il s'approche même de moi. Voilà ce que vous accueillez chez vous. Hein. Voilà ce que la France ramasse. Imbécile heureux, va. Il vient même vers moi. Chien vert. C'est moi qui t'ai dit de te perdre en Europe. Chouagne. Attendez d'abord. Je suis en forme. Je viens de finir. Je cherche comment y aller. Voilà là. Les beaux frères africains qui viennent ici là. Qui arrive et qui n'aime le cerveau fuit. Il veut savoir. La drogue a déjà mangé sa cervelle. Je suis. Bipez-moi Karimo. Karimo me bilan, me biazout. Regarde la France. C'est le vrai beng. La Turquie ne sera jamais beng. Tu as compris? La Turquie ne sera. Tu as vu? Même la voiture me laisse passer. La Turquie ne sera jamais beng. Nous sommes en beng. Nous sommes les vrais bengis. Tu n'es rien. Tu n'es que dalle. Salope. Sale chienne. Je te dis ça. Tu as mangé notre fils. Imbécile. Tu voulais une vraie bite. Elle voulait une vraie bite. Tu voulais une vraie bite, non? Eh ben, tu l'as eu. Ton bâtard là. On va récupérer notre enfant. Tu as compris? Parce que ton petit turc à la con là, il bande mou. Désolé, hein. Je passe ma route. Il bande mou, ton turc. Quoi que je peux même boire un verre là. C'est possible de boire un verre? Je vais boire un verre quelque part ici. Je lave celle qu'on appelle Karimo. Viens voir le pays des blancs. Des vrais blancs. Tu vois? Partagez. Voilà le pays des vrais blancs. Vous êtes de quelle origine? Vous êtes français, hein? Ah, tu as vu ça? Ça, c'est la France, hein? Des vrais français, hein? C'est pas bon, on sait jamais. Ça, c'est des vrais. C'est pas des Turcs, hein? Tu es allé... d'aller épouser un Turc. Un Turc, un vaurien. Un va-nu-pied. Un gigolo. C'est une soeur du pays qui allait épouser un gigolo turc. Elle est partie au pays avec. Elle dit que, mouf, imbécile, ma bible est langue. Merde, je m'en vais voir ailleurs. Vous t'as vu? Ce qu'on appelle les vrais blancs. Mouf, quand tu vas me parler que la race. Ils disent, oh, oh. Wow, elle langue, ma bible. Karimbo, ma bible est langue. Vomis notre bébé. Vomis Samy. Vomis Samy. Karimo, vomis Samy. Aïe, là-bas c'est les vieux. Là-bas c'est les jeunes. Je choisis où j'ai mon argent. Je m'assois où je veux. Ici ils sont vieux. Là-bas ils sont jeunes. M'en vais chez les jeunes. Je suis jeune femme. Je vais demander que je paye. Mouf, élan, soigne, buveuse de sang. Karimo, ton empire va tomber, je vais chier sur ça. Je vais chier sur la gueule de ton empire. Attends, je vais aller demander qu'on me mette une chaise un peu déportée.
C'est mon argent, j'ai l'argent. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Il n'y a que ça comme chaise. Hein? C'est qui ici? Bonjour. Enfin, bonsoir. Est-ce que vous pouvez me mettre une chaise? Parce que je suis en live là. Une chaise un peu à côté où je ne gêne personne. Et vous me donnez ce qu'il y a de plus cher et qui est bon. C'est moi qui paye. Ça vous va? J'ai mon argent, je paye. D'accord? J'ai pas quelque chose de bien. Vous mettez une chaise à côté là, que je ne gêne pas vos clients habituels. Moi, je sors du boulot là. Et j'ai envie de traiter une compatriote qui a volé les organes. D'un compatriote. Non, je ne crie pas, je vous explique. Mettez-moi quelque part où c'est bien, où je ne gêne personne. Voilà alors. Tu comprends? Ici, c'est la France, hein? Salope! Ici, c'est la France. Je demande ce que je veux avec mon argent. On va me mettre ici, là. Tu as vu? On va me mettre où je ne gêne personne. Et je vais te laver en buvant ce qu'il y a de plus cher. Je vais demander ce qu'il y a de plus cher. Et je vais te laver. On va venir. Tu vas voir comment les blancs sont à mon service. Tu es chez les Nkosa. Nkosa vient chez nous, ils volent nos reins. Hein? Ils volent notre frère. Ils tuent. Et tu es derrière. Villageoise de ton état. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. On va te traiter de la meilleure manière que tu vaux. Tu n'es rien, Karimo. Et tu vas dégringoler sur ton pied d'estral. Voilà. On vient vite m'arranger ici. Boire un joli coup. Et puis après, je rentre chez moi. D'accord? C'est moi qui commande. L'argent et le pouvoir. Pas ton faux argent que tu as au Cameroun là. Que tu achètes les gens qui ont faim. Ici, ce sont des gens qui travaillent et qui veulent gagner leur argent. D'accord? Toi, tu achètes les gens qui ont faim. Tu prends Samy. Samy, c'est qui? Samy, c'était ton bidailleur. Salope, bordel. Bordel, arachide du deuil. Avec ta chatte qui est pleine de... Sur sas, ta chatte gratte. On dit que ton que ça, c'est un caveur. Caveur. Donc que ça est un caveur, donc que ça ne nique pas, il ne baisse pas, il ne te fait pas plaisir. Regarde-moi la malheureuse. Tu es venu toucher à qui? Ah, tu sais quand? On va te mettre ça. Hein. À l'endroit, il est à l'envers. Attends, mais ils sont où là? J'ai dit, moi-même, je peux vous aider à déplacer la chaise. Hein? Je vois. Oh là 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 là. Mais je vais déjà manger, je vais même manger ici. Ça c'est combien ça? 7 euros. 7 euros. Mettez-moi ça. Vous me mettez l'alcool avec. Bien. C'est moi qui paye. C'est mon argent qui paye. Je ne travaille pas pour rien. Il faut payer aux impôts, les impôts, les impôts, les impôts. Si je peux me faire plaisir, je me fais plaisir. Attendez un peu, je fais la pub. C'est où ici? Je suis à Rennes. Oui. Et puis c'est un petit truc, vous voyez? Mais vous êtes un personnage public qu'on peut vous voir. Hein? Vous voyez? Moi j'aime aller chez les Watts. Les histoires des Noirs là. C'est pas ma tasse de thé. On me met tout ça. Regardez. Vous avez vu ici? Attendez, je lui fais la pub. Si vous venez à Rennes, ça s'appelle l'arrivée. L'arrivée. Si vous venez à Rennes, venez par là, mangez un petit casse-cou. Hein, et puis faites-vous plaisir. Hein. Vous pouvez trouver des jolies filles, des jolis garçons, tout ce que vous voulez. C'est juste. Mettez-moi là, monsieur, s'il vous plaît. Moi, je ne bois pas la bière, je veux quelque chose de fort. Parce que j'ai commencé avec quelque chose de fort. Hein. Vous avez quoi du coup? Whisky. Voilà. C'est moi qui paye. Je vais laver Karimo. Je vais te montrer comment on lave une chienne comme toi en mode vrai blanc. J'enlève ça. On va me ramener une saucisse. Ouais, je ne vois pas. Vous n'écrivez pas.
Vous n'écrivez pas. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est mon sac, ma bandoulière du travail, avec ma tenue de travail, les chaussures et tout. Ça, ben, je vais m'asseoir comme ça. Où est la table? Ben, attendez, vous savez que je vais même payer plus que tout ce monde qui est assis là ou quoi? Ça ne va pas, non? Masmina Nyasop, Karimouane, en plus, j'ai combien? J'ai 46% de batterie. Merci beaucoup, monsieur. Faut faire plaisir aux vrais, éphémères, mais vrais clients. Et paye. C'est moi qui paye. Je veux du coca, s'il vous plaît. Du coca? Bah oui. Monsieur. Si elle est, il n'est pas content, je me casse. Je vais ailleurs. Tout le monde veut refaire sa vie. Regardez ici, le fond de temps. Il n'est pas content, je vais ailleurs. Vous n'écrivez pas. Je suis vénère, comme c'est pas bon. Il me donne tout ce que je veux. Je règle tout de suite parce que quand je vais me lever là, c'est pour partir chez moi. Vous me voyez bien. Un petit whisky comme ça, petit whisky comme ça, une rikiki whisky. Un homme. Yo, mais j'achète, je mets. Karimo, ton rêve, je te montre ton rêve. Mbeng, c'est mbeng. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Donc, là, je vous ai demandé un whisky coca, une saucisse, comme le jeune homme qui avait tout à l'heure, avec un couteau. Vous m'emmenez la facture avec. Et puis je paye. Bah, attendez, parce que quand je vais dégager. Mieux, je vous paye tout de suite. Moi, je vais crescendo. Hein. Ça badine pas avec moi. Hein. Voilà. C'est moi qui paye. Karibo, me bimounou azout. Ici, c'est mbeng. Tu as vu? Le vrai mbeng. Pas le mbeng des Turcs. Parce que les Turcs sont des Arabes. Nous, on s'en fout d'eux. Est-ce que vous m'écoutez même? Attendez un peu. J'ai l'impression que vous m'écoutez. Attendez. Voilà. J'ai éteint ça. C'est bien. Qui m'amène tout? Parce que quand je vais dégager ici, je ne veux pas entendre que oh, tu n'as pas payé, tu es parti. Ils vont demander les caméras de surveillance et tout. Voilà. Santé. C'est fort, hein? C'est mon agent que je travaille. Samy est venu aussi travailler chez toi, tu l'as tué. Sale chienne. Tu as tué Samy chez toi. Avec ton que ça. Tu n'as pas honte, mamie. Tu n'as pas honte, mamie. Avec la complicité de l'État camerounais. Honte à vous, le Cameroun. Honte à vous, le Cameroun et les Camerounais. Honte à vous, les affamés. Les affamés. Vous avez déjà ruiné tout le Cameroun. Vous avez déjà volé tout le Cameroun. Vous avez pillé toutes les caisses du Cameroun. Vous êtes encore en train, là, en train de gratter et de grappiller. Attendez. Merci. Oui, voilà. Combien je dois? Ça fait 15 euros. 15 euros? Restez là. Je vous paye. Bah, vous savez quoi? Pourquoi je paye tout de suite? Parce qu'après, quand ça va me piquer là, d'accord. Je préfère partir d'ici sans rien. Même la saucisse là, je mets dans mon sac. D'accord. Vous voyez? Donc, je vous paye tout de suite. Vous êtes un vrai breton? Oui. Pure souche. Alors, les bretons sont tellement... les bretons. Alors, on va aller vite. 15 euros, vous avez dit? Bon, j'attends mes 5 euros. Hein. Parce que je ne suis pas quand même si riche que ça pour vous donner un pourboire. Je sors du boulot. Hein. Je sors du boulot. Je sors du boulot. Je sors du boulot. Regardez alors. Karibo, tu as vu? Ici, c'est Mben. Le vrai Mben. L'argent est bien, hein? Tu coupes comme ça. Tu recoupes comme ça. Et tu fais ça. Merci beaucoup.
Donc je peux partir après, hein. Mais 5 euros. Elle est donnée 5 euros de pouvoir. 5 euros, 3500. Bon, ça c'est 3500, hein. Pouvoir. Pardon. Je mets ici. Je rentre avec mon agence. C'est moi qui travaille l'agence. Et Anna, c'est un truc là, ça ne vole pas. Vous savez, quand vous avez l'argent, ne faites pas ça, ça c'est mon fond de temps. Quand le blanc sait que tu as l'argent, il peut s'agenouiller sur tes pieds. Tu gueules fort parce que tu as ton argent. Je suis face à la gare. Voici la gare. La gare de Rennes, elle est grande, hein. Ça, c'est... Ama, le pays de Watembe. Karimo, rêveuse. C'est dans le vrai pays de Wat. C'est pas le pays de Nkessa. Tu as compris? Ici, c'est pas le Nkessa. Où tu supplies le mariage. Ici, c'est chez les Wat, mamie. Un vrai blanc. Ici, tu commandes. D'accord? Tu as tué notre frère. Tu l'as vendu aux femmes là. Tu l'as pris dans le femme là. Mamie, femme là, Karim, femme là, woman. Tu crois qu'on va te laisser? Et Bali Soulungwan Graffiti, tu crois qu'on va te laisser? Tu as vu les photos qui commencent à sortir, non? De son autopsie, non? Comment lui a prélevé les reins en mode sauvage? Tu n'as même pas honte. Vendeuse de rang d'être humain. Vendeuse d'organes. Boycottez-moi Karimo. Parce qu'elle va vous vendre. Elle aspire vos énergies. Karimo aspire vos énergies. Boycottez-moi les bêtises. Elle vous avale. Tu vas redescendre plus bas que terre. C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. Tu as compris? Est-ce que tu as bien compris? Tu as pris Samy, notre beau gosse, notre bébé métis, notre bébé orphelin de père et de mère. Tu te crois où? Tu as cru qu'on peut avaler tout le monde? Lui là, c'est le poison lent de ta vie. Tu as compris? Il y a une misoule d'un graffiti. Amekanane d'oro. Amekanane éléphant. Tu es qui? Tu es quoi? Tu n'es rien, tu ne vaux que dalle. Si tu avais l'argent, tu viendras en Europe. Le vrai Europe. Pas dans l'OTAN, parce que la Turquie est dans l'OTAN, tu as compris? Et c'est la Turquie qui commande l'OTAN. Le bilan. Tu prends l'enfant de qui? L'enfant d'Élise. Mon bébé chou. Mon bébé Samy. Wow. Il boit le jambalon, le Karimo. Je te connaissais. Je ne te connaissais pas. Mais je t'ai découverte parce que tu as tué mon bébé. Tu as tué mon bébé. Si tu ne tuais pas Samy, je ne serai jamais au courant de toi. Imbécile, chienne, vaurien, va nu pied affamé. J'ai acheté une maison à Kribi. Tu as location, tu dis que tu as. Une vraie milliardaire ne vit pas dans le mensonge. Et une vraie milliardaire ne se rappelle pas. T'as compris? Quand on achète, on ne fait pas le premier. D'accord? Le bébé là, il est d'abord beau, il est à Samy. Mais bébé, maïm qui j'aime n'est pas comme un parce que au Karimo, mais bim nous est là, fop, voilà, on m'a comme aujourd'hui parce que je ne sais plus. J'ai d'abord honte, j'ai honte. On va te faire du chantage jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que Karimo comprend? Karimo, les gens que tu payes pour les sudoyer là vont te faire du chantage jusqu'à la fin de tes jours. Dès que tu fais dès que quelqu'un a fait, il vient dire que tu sais que tu nous avais payé pour qu'on s'éteigne, non? Tu casques. Je ne vois pas les messages. C'est comment? Dis-moi même bonsoir, non? Attendez-moi, j'écris ici.
J'écris un peu bonsoir. Ah, je ne vois pas vos messages, c'est pas... Je dis même bonjour. Je ne vois pas vos messages, c'est pas normal. Vous écrivez quelque chose. Karim, viens voir le pays des vrais blancs. Ici, c'est pas la Turquie, hein. Ici, c'est la France, hein. D'accord. Ici, c'est pas la Turquie, ici, c'est la France. La Turquie au Turc, la France aux Français. Ici, c'est les vrais blancs. T'as compris? Alors, tu me la boucles très vite. C'est pas parce qu'on ne veut pas extrapoler, on ne veut pas montrer que nous pouvons aussi vivre. On fait des photos, t'arrives. T'as vu où je suis là? Tu as vu où je suis là? Le loyer ici, c'est au moins 3 millions par mois. 3 millions de Français et femmes, bilan. Où je suis là? 3 millions. D'accord? Par mois. C'est des zones réservées. Même le noir, tu veux louer ici. On juge. J'ai dit, viens me donner à boire. J'ai fini le verre ici. Rang. C'est moi qui paye. Je peux te sortir ce que j'ai dans mon pote. J'ai des liasses. Le problème, c'est que je suis troncanda. Tu as entendu? Moi, Elise, je suis une troncanda dans l'argent. Vous avez cru que c'est vous les Bamiléké que vous êtes comme ça. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous partez? Voilà déjà. Tu as vu les vrais Français, hein? Pas les Turcs, pas les... En même temps, je n'ai pas beaucoup de batterie. Donc, vous n'écrivez pas. Vous n'écrivez pas. Hein? Ici, c'est chez les Blancs. Ce qui me dépasse, je prends, je mets dans le pote, je mets dans le sac. Il est où? Il m'a donné du chivas. Chivas a une odeur là. C'est pour ça que ça coûte cher comme ça. Je lui ai dit en plus, donnez-moi le whisky le plus cher. Il m'a donné du chivas. Et le chivas a une odeur que j'aime. J'aime pas trop le chivas parce que ça a une odeur anis. Anisé. J'aime pas le chivas. Je fais comme au pays. Et bon, on sent. Mais non, mais ça vient en dernier verre, il me casse. Bah, bon Dieu. Quand je rentre chez moi. Karimo, tu es une chienne. Avoine ou elle en ongoué. Ce qui m'énerve, c'est que tu veux jouer. Tu veux jouer. Carmine, Namitan, Nafo, Namitan. Le vrai Namitan, c'est le Namitan. C'est pas le pays d'Inc. Mamma mia. C'est pas le pays d'Inc. Ça ici. La salope de Karimo, quand elle arrive, elle fait des photos. Elle est enfermée dans un huis clos en Turquie. Elle fait des manières. J'appelle un blanc là, il va me. C'est moi qui paye. J'aime ça. C'est comme ça que je vis. Hein. Vrai, dans la vraie vie. Voilà ma vie. Seule, une place. J'arrive quelque part, j'aime mon argent, je m'assois. Je mange, je bois. Après, je rentre chez moi. Pas besoin des amis, des copines, des. Je sais pas quoi. J'arrive comme ça là. Tobasi. Mange nu. Aïe, nu, nu. Adi, di, di. Et puis je me casse. Je suis d'abord allergique. Voilà ma vie.
Vous m'avez déjà vu vous montrer une copine? Non. Vous m'avez déjà vu vous montrer une amie? Non. J'arrive. Mon instinct m'a dit aujourd'hui, va là, mange, bois. Monsieur. Oui. Monsieur, venez. Vous allez bien? Ça vous va, êtes célibataire? Ah non, je suis marié, j'ai vraiment femme là. Moi aussi, je suis marié. Vous buvez un verre avec moi? Ah non, pas du tout, j'ai pas le temps. C'est gentil. Ok. Ouais, tu prends un zozo comme ça, il s'assoit, tu bois un verre avec lui. Il boit un verre. On s'assoit comme ça, il boit un verre. Et c'est moi qui paye aussi. Je préfère avoir des amis éphémères que des amis qui vont venir me balancer sur les réseaux sociaux. Qui vont venir raconter ma vie sur les réseaux sociaux, qui vont venir dire des choses de moi sur les réseaux sociaux. Je suis une place parmi nous. Comme vous voyez là. Je suis une place en Bengue. Voilà mon Bengue. Aïe! C'est mignon celui-ci. C'est mignon. Pourquoi que je prenais celui-ci avant? Parfois, je dis, viens, il s'assied, il s'assoit, on boit, on rigole, on parle de tout, et je règle la facture et je passe ma route, il passe en haut. La vie en Europe, moi, je ne veux pas vivre une vie communautaire, où les Bamileke font la soirée, les écrans. Bon, là, j'irai chez Atebankou parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Une fois par an, ça va. Je suis une place en main. J'ai mon argent. Je travaille pour. Quand je quitte la gare, je prends mon train, le tram, le métro, je rentre chez moi. C'est mes sous. Ouais, je suis là. Mon mari est déjà à la maison. Hein. Je vais les enfants. Je ne panique pas. Mes enfants sont à l'abri. Mon mari est à l'abri. Et moi, je peux m'amuser. Monsieur. Viens. Bah, viens. Je suis une femme. Alors. Non. Mais viens, je vais t'offrir. Viens, viens. Il va aller me prendre à boire. Je vais l'offrir à boire. Et ça s'arrête là. C'est tout. Moi, je n'ai pas de problème. Je sors comme vous voyez là, seule. Je sors toujours seule. Je fais mes ambiances seule. J'anime seul. Je mets juste un traçage. Attendez. Ici, je ne peux même pas laisser mon sac à main parce que dans mon sac à main, là, il y a au moins plus de 1000. Dans mon sac à main, regardez mon sac à main. Voilà mon sac à main. Je peux compter les billets et des billets et des billets. Hormis les billets. J'ai au moins. Ah! Attendez, je vais d'abord ramasser. Ah non, ça va pas, je te dis. Je ramasse mes sous. Je viens ramasser mes sous. Je ramasse mes sous. Quand je ramasse mes sous, là c'est bon. Tu sais, tu rigoles, hein? Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes des chômeurs aussi. Vous êtes des chômeurs.
Eh oh, vous êtes aussi des chômeurs, hein? Arrête de boire. C'est qui ça? Je ne t'ai jamais vu dans l'Inde. Quoi? Elle dit quoi? Que arrête de boire. Imbécile! Tu me dis arrête de boire, tu m'as offert un verre un jour. On vous dit que je suis votre bébé joyeuse. Écoute-moi celle-ci. Fortune Bia, c'est comment? Attends un peu, je lis. Subitement, je vois les messages. Oh, elle est tombée. Je tombe quand je pars récupérer mon truc. Voilà, vous commentez. Vous êtes déjà en train de commenter, c'est bien. Donc depuis là, vous êtes en mode silence. Vous êtes en mode silence depuis, vous ne commentez pas. Donc depuis là, maintenant je vois les commentaires. Quand vous dites que je suis tombée, je vois les commentaires. Regardez, je vous montre où je suis. Regardez. Voilà. Coco, elle est tombée. Coco, elle est tombée. Donc c'est comme ça que vous êtes. Hein? Je ramasse mon argent. Même si mon argent fuit, tombe dans l'eau, je ramasse mon argent. Je suis parti ramasser mes billets que l'on a emportés. Oh, elle est tombée. Mon argent, mes billets. Même si ça tombe, ouais. Même s'il faut que je tombe, je vais aller. Voilà, mais j'ai été distraite un moment. Après, je reviens, je ne te vois plus sur la chaise et tu ramasses tes dos. Je ne ramasse pas mes dos que c'est toi. Ma, je ne ramasse pas mes dos que c'est toi qui m'as aidé à travailler mes dos. Donc, vous voulez quoi? Donc, mon argent s'envole. Je peux même faire un plongeon sur mon argent. Hein? Je peux même tomber, mettre mon cul en l'air pour mon argent. Vous avez vu? Regardez comment c'est rempli. Regardez. Vous avez vu comment mes billets sont remplis dans mon sac. Donc ça passe, ça s'envole là. Je ne cours pas chercher mon argent. Ça va pas ou quoi? Mais donc, mamie, j'oublie la caméra. Je plonge même le cul en l'air pour aller attraper mes 20 euros. J'oublie, attendez d'abord, j'appelle le type s'il vient me donner un dernier verre, après je pars. Parce que moi je vais payer. Vous avez vu combien j'ai là? J'ai plus de 1000 euros là-dedans. J'ai plus de 1000 euros, 650 000 francs CFA. Mon argent, ici là, si tu veux voir mes fesses, vole mon argent. Prends mon argent qui est même tombé, tu pars.
Je vais soulever mes pieds. Je vais soulever mes pieds. Tu vas dire, hé hé, c'est comment? Mon agent. Ça, c'est mes sous. Le coca, il est où, non? Donne-moi un glaçon parce que je veux ça frais, s'il te plaît. Le boîte ne me donne plus, imbécile. Le jeu que ne me donne plus. Tu bois trop. Tu m'as déjà vu boire. Tu sais ce qu'on s'appelle se relaxer. Écoute, c'est pour ça que les blancs vous dépassent. Merci. Attends, combien? 6 euros. Oui. Et on fait pas. On fait pas. Faveur. Regardez, je vais chercher 6 euros. Vous m'avez remboursé tout à l'heure, non? Oui. C'est pour ça que je vais chercher 6 euros. Parce que vous m'avez remboursé tout à l'heure. Vous avez vu tous les billets que j'ai là? Je ne regarde pas. Vous ne regardez pas? Ce sont mes billets. Je remonte par là. Hein. Ici, de toute façon, à Rennes, personne. Moi, je sais cogner comme un homme. Personne ne peut m'agresser ici. Quelqu'un essaye de m'agresser, je le cogne comme un homme. 6 euros pile. Oui. 3. Déjà. 1. 2. 3. Déjà. Ça vous va? Merci madame. Super. Mais si je pars d'ici, ne vous inquiétez pas, je serai parti. Ça marche. Maman, les billets. Je lui montre même les billets. Je dis que je n'ai pas vu, j'ai rien vu. Ok, celui-ci est venu remettre des choses bien ici. Que lui et moi, on discute quoi. Mon agent. J'ai l'argent. Pas le boubou. Attends, moi je te bloque d'abord, j'aime pas les gens qui manquent du respect aux gens pour rien. Allez, hop, bloqué, ah, tout terminé, fini. J'aime pas les gens qui manquent du respect aux gens pour rien, parce que parfois, malgré tout, il faut rigoler. Hein? Voilà. Hein? Moi, je dis aux gens la vérité. Hein. Désiré Ndjiking, merci mon frère. On dirait que moi je ne peux pas aussi dégamer, je ne peux pas rigoler. Ils aiment me voir sérieux, sérieux et tout. Mais c'est quoi? Laissez-moi vivre. Laissez Elise. Oh, tu es tombé. J'ai couru après 20 euros, je suis tombé. Oh, ah. Bon, oh. 20 euros, ça fait 13 000 francs, c'est pas. Hein? Vous voulez que mon agent tombe, ça part là-bas, je ne cours pas chercher. Ouf! Je ne pars pas chercher mes dos. Roha! Et ça ne chauffe pas. Mon agent tombe, je cours. Je tombe, je mets mon cul en l'air. Je ne pars pas chercher mes dos. Et quand vous voulez que mon agent tombe comme ça, là, je ne cours pas chercher. Avec le vent qui fait là. Pas chercher mon agent, c'est le mien. C'est moi qui travaille ça. Oh, Elise est tombée. Oh. Et prenez, faites alors les captures d'écran. Faites les captures d'écran. Montrez comment je suis tombée. L'agent qui fuit, l'agent qui part, je suis allé regarder. Bon, mamie, quand tu te retrouves, attends.
Là, tu te retrouves avec un portefeuille plein comme ça là. Regarde. C'est mon portefeuille. Regarde. Plein. Le vent emporte. Mamie, tu cours. Tu cours. Même si c'était 5 euros, hein, j'allais courir chercher mes 5 euros. J'allais courir. J'ai mes 5 euros. Oh, elle a pris quelqu'un. J'oublie même Samy. J'oublie même mon frère Samy. Lui, il est mort, il est mort. Maman, moi, je suis encore en vie. Je dois encore nourrir mes enfants. Donc, quand ça tombe comme ça, là, je cours chercher mon argent. Oh, elle a couru, elle est tombée. Je tombe quand je pars. Je cours quand je pars chercher mon argent. Je tombe. Mon argent. Mais dis-donc, vous parlez de quoi? Ben. C'est tombé, je suis allé chercher. Oh, je suis allé chercher. Oh, c'est mon argent. C'est mon argent. Je fais le bruit à cause de l'argent que vous voyez là. Donc, vous voulez que 20 euros tombent. Et en plus, c'est tombé, deux billets de 20 sont tombés. Ils volaient déjà là-bas. J'ai fait le plongeon, les pieds en l'air. Le plongeon, les pieds en l'air pour récupérer mes 20 euros. Ça fait 40 euros. Hein. C'est le salaire d'une ménagère au Cameroun. On me dit que oh oh oh, laisse. Élise, tu es tombée. Je tombe pour aller récupérer mon argent. Affaire est très sérieux. Moi, je suis une vraie mamelékée dans l'âme. Hein. Mon argent, on ne me fait pas des bêtises là. Je peux changer de visage ici à cause même de 2 francs. 5 euros, je change de visage. Tu ne me reconnais pas. Tu dis que oh, ma tata, c'est toujours à cause de 5 euros. Tu ne me reconnais pas. 5 euros. Donc, quand vous faites vos bêtises là, il faut comprendre que hein, nous sommes les vrais Benguis. On connaît ce qui se passe en Bengui. La souffrance, on connaît. Le cherchement d'argent, on connaît. C'est pour ça que je vous dis souvent que je ne peux pas discuter avec une fille qui est au pays. Je ne peux pas échanger avec une fille qui est au pays parce qu'elle ne peut pas comprendre. Même si tu l'expliques. Merde. Les jeunes, c'est depuis qu'ils sont là, avec un verre depuis qu'ils sont... J'ai déjà bu plus que eux. Ils ont un verre depuis. Moi, j'ai déjà consommé. J'ai fait la recette à ce bar depuis que tous ces jeunes sont là. Mais bon, je vais partir. Je vais prendre mon gros bangala, si. Parce que le truc, c'est à l'aide d'un bon bangala. Hein. Regardez. Le bangala de ça. Il est frais. Je peux pas le laisser. Je ne laisse pas la saucisse. Je vais mettre ça dans mon sac. C'est moi qui ai payé. Les blancs, parfois, pour avoir ça, ils sont 10. Ils coupent en petits morceaux. 10 personnes pour ça. Je suis seul, je mange ça, je mets dans le sac, je parle. D'ailleurs, je mets déjà tout de suite pour que je n'oublie pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Il va arriver. Mon mari va venir me chercher. C'est étonnant, il ne m'a pas encore appelé pour me dire que t'es où? Sûrement le père là, monsieur. Mon cœur, si tu me vois en vidéo là, hein, j'arrive, papa. Je suis en train d'arriver, hein, mon cœur. J'arrive, je suis à la gare. Voilà la gare, me voici en face.
J'arrive, mon père. Pas homme. Non, mon homme. J'arrive. Parce que là, si tu sais que ta femme est déjà à la maison, non. Pas homme, Azou. 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 Mais je voulais un peu me faire plaisir en changeant, genre, toute seule, tu sais, un peu fofolle. Je fais ma petite folie toute seule. Comme d'hab. Est-ce que... Moi, je... Écoutez. Écoutez. Est-ce que quelqu'un peut vivre comme moi, Élise, je vis là? Je suis heureuse hein, d'être seule. Je ne suis pas dans vos conneries que vous faites. Oh, la réunion et tout. Ça me convient. Je suis heureuse. C'est parce que j'ai mis la caméra. Hein. C'est parce que j'ai mis la caméra. Je peux arriver ici seule. Je m'assieds, je bois. Je prends une saucisse. Je bois de l'alcool. Et après, je rentre chez moi. Seule, comme une grande personne. En fait, j'ai toujours fait ça. Moi, je connais pas... je connais pas de vivre en communauté. Je connais pas ça. Je connais. Franchement, je ne connais pas. Et le plus souvent, quand j'arrive, vous avez vu, je suis arrivé, j'ai demandé ma table. Isolée. Dans un coin. Juste pour moi. On m'a mis là. Isolée. Juste pour moi. Dans un coin. Et je paye. Je paye mes prestations, je paye ce que j'ai à payer, je paye si j'ai envie de boire. Je peux boire là. Vous avez vous voyez les taxis? Vous avez vu les taxis? Regardez, je vous montre les taxis. Vous avez vu les taxis? Tout ça, ce sont des taxis. Je donne juste mon adresse. On me ramène chez moi et je paye. Moi, je ne connais pas les histoires de vivre en communauté, machin, les affecteurs, machin, machin. C'est pas ma tasse de thé. La diva miel. Bonne soirée, ma chérie, la diva miel. Va faire à manger à nos loulous. Puis moi, je te dis à bientôt aussi. Vous l'avez vu? Là, je demande quel est le taxi qui doit démarrer tout de suite. Je donne mon adresse, il m'amène chez moi, je paye. Je paye, il m'amène chez moi, sur la porte de chez moi. Moi, je ne connais pas. Voilà ma vie. Je viens quelque part, je m'assieds, je m'amuse. Seul. Le plus souvent, c'est... Seul. Si oui, je trouve peut-être un soula blanc qui va venir partager. Il dit, ah oh oui, bah écoute, je resterai avec toi, on boit un coup, on fait le bruit. Et après, quand c'est l'heure, je m'en vais chez moi. Je ne connais pas votre vie de Camerounais là. Je ne connais pas votre vie de je ne sais pas ça. C'est un truc qui ne m'a jamais intéressé. C'est un truc qui je suis une place. Vos meilleurs mots, oui. Quand vous allez me voir le 29 juillet, je ne peux pas être bon coup. Je vais me défouler parce que je vais me sentir dans un milieu où on est entre nous. Mais avant ça, je n'ai jamais connu ça. Elle se la pète, Élise se la pète, elle se croit supérieure, elle pense que non. Ça fait 19 ans que je suis en Europe. 19 ans que ma petite vie a toujours été comme ça. Quand quelqu'un me rencontre comme ça, il pense que je n'ai pas de mari, que je n'ai pas d'enfant. J'ai un mari, j'ai deux enfants, je travaille, j'ai une vie sociale. Mais... Je ne me coltine pas la communauté africaine. C'est aussi simple que ça. C'est mon moi.
Je préfère me déchirer avec un watt que de me déchirer avec une noire ou voilà. Il y a beaucoup de blacks qui pensent qu'il faut être dans, entouré d'une communauté pour exister. Moi, ça ne m'intéresse pas. Là, c'est moi qui commande. C'est moi qui dirige. C'est moi qui paye. Ah oui. Je n'ai pas besoin de ma communauté pour m'accompagner. Oh! On va prendre un taxi. Ça maghrébin en plus. Les maghrébins, moi ça passe pas beaucoup. Les noirs non plus. Les maghrébins et moi ça passe pas, mais les noirs non plus ça passe pas. Eh oh! Ah, 12 ans. Toujours. Moi, je n'ai pas besoin. Je sais ce que je veux, je sais ce que je suis. Quand tu vois un taxi comme ça, monsieur, il a payé ici. Taxi. Je lui demandais si c'est lui ou je pars sur un autre taxi qui me ramène chez moi. C'est moi qui paye, c'est moi qui travaille. C'est mon argent. C'est pas vous m'avez bloqué. Dans les réseaux sociaux, vous m'avez tellement bloqué pour faire profiter de ça, de la jouissance de ma grande gueule. Mine vanne, mine à vos réseaux sociaux. Il me reste avant là. J'ai les moyens de ma politique. Je ne m'en cache pas. J'ai les moyens de ma politique. Si tu veux voir Élise, vois Élise dans le vrai. Pas dans le faux. Maman Bilmoni. Maman Bill million 100. Ndeyom yazo kuna mintang. Mais il met les mines au bout. Vous suivez les vieilles rombières que même dans la vie, elles ont rien. En tout cas, ça va, regarde. Oh! Un taxi! Celui-ci dort. Il ne travaille pas. Et mes fils, là, ils ne travaillent pas. Il est vert pourtant sur le dessus, là. Mais ma bille monnaie, hein. Le Billy Jam est bois le moine. Moi, non, maintenant, je suis un peu père. Mes enfants sont déjà grands. Les grands sont grands. Le Billy bois le moine. Vous avez vu quand je vous ai montré mon pot. Si vous comptez le prélèvement d'une journée, le prélèvement d'une journée, hein. Le moment d'une journée. Ne m'a fulmina. Bonjour, ça va? Ma fulmina. Mina. Le prélèvement d'une journée. Je gueule, je parle fort, j'assume. Faut mouiller le maillot, je mouille. Mie ouza. Vous allez mourir de faim.
Pourtant, nous sommes là. On traite maintenant avec les Dominicaines. On traite avec les filles dominicaines. On traite avec les inconnus. On ne traite plus avec les Camerounaises. Nous ne sommes plus là. Vous pouvez me faire quoi? Si le blanc ne m'a pas fait, vous allez me faire quoi? C'est ça qui est ça et ça ne chauffe pas. C'est pour ça que vous voyez que vous tous qui arrivez là, vous avez faim. Vous avez faim. Bon, nous, on vous observe. Vous voyez que moi, Élise, quand j'ouvre comme ça, là, je montre en connaissant de cause. Parce que moi-même, je sors du travail. Le blanc sait que je suis allé travailler. Je ne peux plus me mélanger. Je n'ai jamais pu me mélanger avec les Camerounais. Mais je veux dire aux Camerounais et aux Camerounaises qu'ils vont mourir de faim. Et nous serons là. On ne pourra pas les aider. Miehouza. Zaïté. Je m'en fous. Non, c'est chacun suit. Ah. Je vais même dire à mon mari de venir me chercher. Non, c'est vrai. Moi, je viens chercher comment il faut que je rentre. Là. J'ai pris la saucisse, j'ai pris mon verre. Mais je vais prendre un taxi, c'est moi qui paye, c'est mon agent. J'ai ça. Les gens arrivent. Ce sont les vacances. Hein. Ce sont les grandes vacances. Les gens arrivent, ils sont en vacances. Vous savez que les blancs prévoient leurs vacances. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est... je vais prendre mon taxi.
Excusez-moi, comment ça se passe pour les taxis? C'est le premier là qui m'amène? Il faut aller au niveau du feu. Si il si y a la lumière verte, tu vas voir. C'est bon ouais, ouais. Il m'amène, hein. En gros, là, trop loin, quoi. Là-bas? Ouais, là-bas, il y a la file en vélo. Pardon? Il y a une file en vélo. Il y a une file? Merci. Merci, merci. Je paye, il me ramène chez moi. J'ai bien bu, hein. Je me suis bien amusé. Je suis à burn-out. Je rentre chez moi. Maintenant, je rentre chez moi. Je rentre chez moi. C'est qui doit me ramener là? Le taximen qui doit me ramener. C'est lequel qui me ramène? C'est lui? Je vais prendre un taxi. Bonsoir. Bonsoir monsieur. C'est vous le premier? Bah, vous me ramenez? Ok. Je vous donne l'adresse. Attendez, je vais vous donner l'adresse. Méchant là, hein? Il est où? Je monte devant ou derrière? Derrière, ok. Vous me ramenez chez moi. Attendez. Je vous donne. Parce que je suis en live. Je suis en live. Donnez-moi où vous, je vous note mon adresse. Non, mais dites-la moi. Non, je suis en live. C'est pas le monde entier. Le monde entier ne va pas connaître mon adresse, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais attendez, donnez-moi votre adresse et puis autrement vous sortez et puis c'est tout. Je sors. Donnez votre adresse et je vous emmène, c'est tout, point ligne. Je vous ai dit que je suis en live. Eh ben, vous teniez votre portable. Je suis en live. Allez, sortez, c'est bon. D'accord, je sors. Je préfère parce que je me garde une réserve de mon intimité. Merci. Celui-ci ne connaît pas ce qu'on appelle préserver l'intimité du client. Il me dit que non, vous me donnez mon adresse. Je ne lui donne pas mon adresse. Non, non, non. Je lui ai dit que je suis une influenceuse. Hein. Je lui ai dit que je ne peux pas lui donner mon adresse. Quoi? Mais laisse tomber. Prenez le premier taxi, terminé. S'il ne part pas, je ne pars pas. D'accord? C'est un arabe. Vous êtes arabe? Oui. Il dit que je dois donner mon adresse en live. Mais je ne peux pas donner mon adresse en live. Il a dit qu'il me donne un papier, j'écris mon adresse. Regarde-le. Il se croit tout permis, ces gens. Regarde-le. Il est fier. Ah non, 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 non. Oh, oh, oh. Vous partez. Oh, vous me donnez votre. Non. D'ailleurs, je m'en vais prendre le bus. Je peux prendre le métro. Ah non. Vous allez mourir pauvre. Et avec vous, je ne vais pas prendre le métro. Celui-ci, il n'aura pas un centime de moi. Dès que j'arrive où il faut, rien que ça. Toujours rien que ça. Regarde. Regarde. Rien que ça, rien que ça, rien que ça. Rien que ça, rien que ça. Il s'y croit. Ah non, non, non. Nom de mes fesses, imbécile. Tu n'auras pas un centime de moi. Tu dégages. Dites que vous travaillez quoi? Vous avez avalé la France, tant mieux d'ailleurs. Les Français avec vous, ils vont payer le prix fort. Il me dit, oh non, il faut me donner ton adresse. Je dis que non, je vous donne mon adresse en privé. Non, non, non. Aïe, 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 rien que ça. Il dit, tu es arabe, non? Oui. Ah non, mon adresse, c'est mon adresse. Personne là. Je m'en vais. Je ne vais pas prendre le métro. Le métro m'amène chez moi. Imbécile. C'est de ma faute si on leur donne un peu de sous. Ils se sont. Ils ont. Tu sais que ils ont fait. Et la marche dernièrement que les gens ne montrent pas dans leur taxi. Avec la mentalité là qui va monter dans leur taxi là. Je connais les blancs. Les blancs ne montent pas dans leur taxi. Hein.
tu me donnes ça. Avant mon homme. Mon homme. Ah ou ça. Là, il y a des langues. Je ne coupe rien. Je ne coupe pas mon live. On part ensemble. Il faut que vous voyez la vraie vérité de la vie. Voyez la réalité. Voilà la gare. Oui, Lise, coupe. Ta tête, Lise, coupe. Je coupe quoi? Pour vous vendre le rêve. Je ne vous vends aucun rêve. Vous pouvez être milliardaire, on vous dit, va te faire foutre avec votre argent. Ma petite soeur, coule le live. Il y a un peu, moi je suis assoujé. Moi je suis assoujé. On va lire votre vérité à moi en même temps. Il faut montrer la réalité aux gens. Hein. C'est la vérité. Arrêtez de vendre le rêve aux Africains. C'est ce qui se passe dans nos vies de tous les jours. Je ne coupe pas le live. Déjà, je veux montrer la vérité qui se passe dans nos vies de tous les jours. Parce que vous croyez que ça se passe seulement à Paris, ça se passe partout. Non, ça se passe partout. Ah oui, vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Que vous avez la primeur, vous n'avez aucune primeur. Hein? Le racisme existe partout. Hein? Le racisme existe partout. Alors allons-y. Je suis en province, hein, pourtant. Vous croyez que chez nous, il n'y a pas le racisme? Il y a le racisme. Et encore, je suis parti seulement les attaquer. Parce que je suis ma meuf. Je suis parti les attaquer. Oh, 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 oh. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas quoi? C'est eux qui payent. C'est eux qui payent. On va voir. Je m'en vais prendre le bus. Et je ne paye que dalle. Je paye quoi? Arrêtez ça. Parce que nous sommes coupables de vendre le rêve aux Camerounais, aux Africains. Montrons-leur la réalité. Seul, comme une grande personne, je n'ai pas besoin d'être accompagné pour vivre. Je voulais même prendre le taxi pour aller plus vite. Et finalement, donc que ça. Non, on ne vous amène pas. Il faut ceci. Bon. Je m'en fous, je me casse. Je ne paye pas ou je ne me sens pas bien. C'est mon argent, hein. C'est moi qui le travaille. Hein. Ici, c'est moi qui bosse pour ici. Tu n'es pas content de mon argent, je me casse. Je prends mon argent, je pars avec. On ne supplie pas ici, hein. C'est bien. En Bengo, on ne supplie pas. On ne supplie pas. Voilà. Voilà le métro. Voilà le métro. En Bengo, on ne supplie pas. Tu es d'accord? Oui, je monte, je pars. Tu n'es pas d'accord? Je descends, je tue le camp. Pourquoi ça vous choque? Pourquoi ça vous choque? C'est comme ça et pas autrement. Montrez les réalités de l'Europe aux gens qui vivent en Afrique. On peut être oui et on peut être non.
C'est tout. Il ne veut pas de moi dans son taxi. Parce qu'il veut, il veut, il veut. Ce qu'il veut de moi ne me convient pas, mais je me casse. Ah mon frère. C'est comme ça et pas autrement. Ça c'est le métro. Quand on va supplier les gens. Je supplie qui? Pour vos états d'âme. Non, il dit que non, non, non. Business is business. Ok. Business is business. Ça marche, ok. Ça ne marche pas, tant pis. Je ne suis pas arrivé quelque part où je paye mon argent, me manque le respect. J'arrive quelque part où me manque le respect et je paye. Mais ça ne va pas, non? Si je paye, j'ai le droit d'avoir toutes les prestations qui vont avec. Hein. Vous croyez qu'on est où là? Moi, je ne supplie pas le black. Hein. Je ne supplie pas le blanc. Ici, là, mon argent fait foi. Ça, c'est moi qui le travaille. D'accord? Business is business. Tu n'es pas d'accord? Ils m'ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Je suis parti, non. Je suis là sur le mec. Mon frère, viens. Ça va? Tu es d'où? Tu es camerounais. Ouais. Voilà mon frère camerounais. Il ne faut pas se prendre notre nationalité aussi comme ça. Hein. Tu es camerounais d'où? Avant que je te montre d'abord, parce que si on te voit là, on va dire que. Tu es camerounais d'où? Du sud. Hein? Du sud. Le Mandouchi. Il y avait. Et tu ne parles pas le bichi. Arrêtez ce. Hein? Bolivar, arrête ça, arrête ça, mon frère, arrête. Voilà alors les gens comme vous que vous faites, que vous dites que je suis camerounais du oui. Sud. Et tu ne connais même pas parler. Tu ne sais même pas d'où tu viens. Mon boulet à ça, mon lima. Non, tu l'as dit la réalité. Bon bâton. Mais toi, tu es au neveu. Au neveu. Au neveu. Aïe, à Colinga. Voilà, j'ai mes amis là-bas. Je connais pas tout là-bas, voilà. Je connais. Voilà, ça me fait plaisir. Bon, on m'a nommé trouvé sur sa gauche. Ok, il n'y a pas. Mon ok. Boulieu. Ah, les courses. On se revoit, c'est qui c'est. Thank you.
c'est place de la mairie, musée des Beaux-Arts, Parlement de Bretagne, place de la République. Ligne B, direction Via Silva. Office du tourisme, campus centre. Ligne B, direction Via Silva. Ligne B, direction Via Silva.
Le pays des Blancs est propre. Le pays des Blancs est propre, hein. Bon, je l'ai retard. Hein? Le pays des Blancs est propre. Est-ce qu'on aura ça un jour au Cameroun? Est-ce qu'on aura ça un jour au Cameroun? Avec les voleurs qu'on a là. Les voleurs, tous des voleurs. J'avais vu. On privilégie même les gens qui viennent au travail, qui marchent à pied, on nous privilégie. On monte aussi des trucs. Bon, je suis presque. Je prends mon dernier train là. Je prends mon dernier bus. Élise va retrouver les enfants. Et je suis déjà en train de rentrer, non? Vous m'accompagnez, non? Où est le problème? Qu'est-ce qui vous pose souci là? Vous êtes en train de m'accompagner depuis là. Vous m'accompagnez depuis. Ils font le barbecue en plein air. Depuis là, vous m'accompagnez, non? Je suis en train de rentrer à la maison. Maman, vous êtes en train de m'accompagner. Oh, Élise rentre à la maison. Je rentre à la maison, je rentre où? Je suis en train de rentrer. Je te laisse en route, mon balou. Mais ma loi, mon Jean. Je suis presque arrivé, j'attends mon aîné train. Et puis je me casse. J'allais payer les taxis. Les taxis ont le gros dos. Tu sens les taxis de campagne. Ils ont le gros dos. Okay, si ce n'est que moi, je me fais pas voir. Voilà mon dernier arrêt. Je m'amène chez moi. Voilà là mon trajet de tous les jours. Hein. Ça, c'est mon trajet de tous les jours. Sauf où je m'assois pour boire un coup. Sauf où je m'assois pour boire un coup. Voilà mon trajet. Ouais, quand j'arrive, c'est mon trajet de tous les jours. Ça ne vous dit rien. Hein? Bon. Maintenant, je peux vous laisser. C'est mon dernier. C'est mon terminator. C'est mon terminator ici. Vous avez vu, c'est l'arrêt de bus. Mais l'arrêt de bus, c'est mon terminator. Parce que après, il m'amène au terminus. Le terminus est chez moi. Vous avez vu, non? J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Merci de m'avoir accompagné. On a rigolé, on a tout dit, on a tout fait. Vous êtes énervés, révoltés. Vous avez eu toutes les émotions avec moi.
C'était un plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt, parce que j'en avais besoin. Vous savez, des gens un peu solitaires comme moi, on en a besoin pour partager certaines choses, partager certains trucs avec vous, ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été là depuis mon arrivée à la gare de Rennes jusqu'à présent. Vous êtes là avec moi. Je vous remercie. Voilà la vie. Voilà ce qu'on désire. Je ne vous ai rien raconté de spécial. Je ne vous ai rien dit de spécial. Je ne vous ai rien promis de spécial. Mais vous avez été là. Vous avez été là. Et moi, je vous remercie. Parce que ça me va droit au cœur. Parce que je me dis, l'homme africain a besoin de s'adapter par rapport au présent et pas par rapport au passé. Notre challenge, c'est le futur. C'est le présent, c'est le futur, c'est pas le passé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Voilà, je suis à l'arrêt de bus, le dernier arrêt de bus pour me ramener chez moi. C'est le dernier arrêt de bus pour me ramener chez moi. Et depuis tout à l'heure, vous êtes là. Les gens me disent raccrocher, lise raccrocher. Je dis non, il faut qu'ils voient comment je trime. Je trime tous les jours. Rentrer chez moi. Je vous remercie. Je ne vous ai rien donné. Mais vous m'avez beaucoup donné. Votre présence. C'était top. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a touché. Je ne fais pas des vidéos comme ça souvent. Vous avez vu, non? J'en ai déjà fait comme ça? Non. Mais j'avais besoin de partager quelque chose avec vous. Et je l'ai fait. Merci beaucoup. Je vais remettre ça. Vous savez qu'il y a mes dos dans le, il y a mes dos dans le dossier, sinon. Je recule bien. Je recule bien ici. Et je fais ça. Merci. Merci. Merci pour toutes ces émotions. Merci pour toute cette émotion. Merci de m'avoir accompagné. Merci. Bonne soirée à vous tous. Allez, vaquez à vos occupations. C'est ça la vie. On n'a pas besoin d'insulter, de traiter, de faire beaucoup de choses aberrantes. Vous étiez peut-être deux, vous étiez peut-être une, vous étiez cinq, vous étiez dix, vous étiez vingt, vous étiez trente. Mais vous faites ma fierté. Maintenant, je rentre chez moi. Je vais récupérer mon mari, mes enfants. Mais je voulais que vous fassiez ce trajet. Ce trajet-là, je le fais tous les jours. Hormis l'escale au bistrot. Hormis l'escale au bistrot. L'escale au bistrot, c'était pour rester avec vous. Mbalou. Ce sont mes enfants qui disent souvent ça que Mbembalou maman, Mbembalou papa. Adrien et les enfants disent Mbembalou maman, Mbembalou papa. Alors je vous dis Mbembalou mes frères, Mbembalou mes soeurs. Mbembalou. Bon, me voyez. Akira, me voyez. Bonsoir. Bye.